Aujourd'hui, c'est la 10e édition de la Paris Games Week et évidemment, l'IM, grande école de multimédia, ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Pendant tout le salon, les visiteurs peuvent tester les jeux développés par les étudiants pour Impulsion, Orb et Headbong et ensuite en apprendre plus sur l'école et surtout sur l'axe jeux vidéo. Allez, let's go! Proposimai, c'est un jeu en VR qui a été fait par les ACAS l'année dernière. On doit faire des choix pour avancer dans l'histoire. Là, c'était un jeu d'escape, donc bon, c'est plus de la réflexion. Et bon, pour une première, j'ai trouvé ça sympa. Là. Orb, c'est un dodgeball arena. On peut dasher, on peut envoyer des boules sur son ennemi pour le tuer et gagner un round. Plein de mécaniques qui nous permettent de gagner 6 rounds en totalité, qui nous permettent de gagner une partie. La seule difficulté que moi j'ai trouvée, c'était vraiment le fait de lancer la boule avec le deuxième joystick et pas un bouton directement. Donc ça, c'était pas naturel pour moi. Mais après, non, c'était sympa. Ouais. Actuellement, on présente Impulsion, qui est un jeu qui a été fait en 2017 par des étudiants d'année 4. Le jeu a gagné le Ping Awards 2017 du jeu étudiant de l'année et a été nominé au Game Awards par la même occasion en tant que meilleur jeu étudiant de l'année. Et c'est un jeu qui fait très Yamakasi en fait dans l'idée, puisqu'il faut aller le plus vite possible. Et c'est un jeu qui est sorti sur Steam et qui est actuellement disponible. Vu son originalité et sa patte assez, comment on va dire, unique, c'est un jeu qui m'a quand même pas mal intéressé. Comme vous avez pu le voir, la 10e édition de la Paris Games Week était une expérience extrêmement enrichissante à la fois pour les visiteurs et pour les étudiants. Pour plus d'informations sur l'axe jeux vidéo et sur l'IM de manière générale, rendez-vous sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Et à l'année prochaine pour de nouvelles découvertes.